Hello and welcome on Watches TV, home of the unexpected and adventurous forms of watchmaking. And today we shall not disappoint as we recently met our friend Vincent Calabrese in his workshop, who introduced to us what could well be a serious evolution of how we generally conceive the regulating organ of your mechanical timepiece by simply, and listen to this, removing the hairspring. Yeah, you heard me right. Intriguing, isn't it? And in recent years, there have been quite a few attempts of revolutionizing how regulators work, with the main goal of either simplifying it and or increasing chronometrical performance, meaning accuracy, power reserve, anti-magnetism and so forth. But apart from George Daniels' coaxial escape and maybe the monolithic oscillator developed by Flexus first seen last year, well, there hasn't been many examples that went further than the demonstrator stage to an industrial one. But Mr. Calabrese's take on it is really quite a smart and pragmatic one. But in the second part of this video, we will also come back on his watchmaking journey, because yes, he has been a very creative watchmaker. For instance, he's the one who developed the Golden Bridge movement architecture, one of those iconic movements in watchmaking history. Well, all right, let's meet the man and his latest development, the Galasys. La pandémie m'a porté quand même un relâchement quand même un peu visible, comme tout le monde. J'attends, il y avait plus de temps libre, puisqu'il y avait moins de gens qui se manifestaient. Et surtout, l'âge qui avance, je vois quand même que je fatigue plus vite qu'en temps. Donc j'ai quand même décidé que quelque chose qui me torturait depuis des années, j'avais envie de le finir. Cette spirale, ça m'a toujours énervé, parce que c'est quelque chose d'absurde. Quelque chose de stupide. Ça a été fait par un grand physicien, je vais bien. Ça a permis à 4 siècles d'horlogerie de devenir portable. Mais c'est bourré de défauts. C'est l'ouverture et la fermeture. Tu ne peux pas avoir la même force élastique dans un sens comme dans l'autre. C'est aberrant, tu ne peux pas. Bon. Ensuite, il y a la gravité, ensuite, il y a le battement dans les goupilles, il y a la virole, il y a tous les défauts possibles et imaginables. Le changement d'amplitude, de changer l'autre, ou fois tout le système. Donc, j'ai décidé de m'attaquer à ça. Et l'année passée, donc, pas en 2020, en septembre 2019, j'ai déposé mon brevet. Donc, j'ai pu m'attaquer au prototype, et le premier prototype, je l'ai fini en août de cette année. C'est-à-dire qu'il fonctionnait. Pour moi, c'était important de ne plus avoir un seul ressort. Il fallait avoir forcément deux ressorts qui fonctionnent de façon synchronique. Comme on voit, c'est très intéressant, il n'y a qu'un bras à la fois qui travaille. L'autre, il est immobile. Donc, il y a une synchronisation totale pour l'aller et le retour. Il n'y a pas un asynchronisme comme le spiral. Maintenant, on voit aussi que pendant que le pignon, il fait presque un tour, donc presque 360 degrés, il en fait 330, le râteau, lui, il se déplace très peu. Et le ressort, il n'a pas un déplacement important à faire, donc il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de flexion, il n'y a pas de danger de flambage ou de fléchissement, etc., etc. En plus, le ressort que je fais, il est en ligament, et son moment élastique, il est trois fois plus grand que le besoin, que le point sollicité sur le ressort. C'est un ligament qui est moins dur que le ligament normal qu'on fait pour les autres choses, mais il est magnétique. Donc c'est très intéressant pour moi, j'ai fait le ligament et le râteau dans ce métal amagnétique. Maintenant, depuis le dessous, on voit l'encre qui va se déplacer, l'impulsion de la roue d'encre et le plateau qui va tourner. Et c'est l'ellipse qui met en route le balancier qui va déplacer le râteau. Là, il n'y a plus rien qui est compromis par la gravité, par l'aimantation, ou par d'autres choses, ou par les chocs. Maintenant, il y a le frottement que j'ai répondu aussi tout à l'heure, que c'est un frottement, d'accord. Mais si c'est un frottement continu, ce n'est plus un frottement, c'est du continu. Donc, on va le vaincre avec soit l'augmentation du barillet, soit avec la diminution du ressort de rappel. Maintenant, en cas de choc, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'ici, il y a une plaquette d'appui sous laquelle le sautoir est posé. Une deuxième plaquette qui vient prendre le râteau et le sautoir en sandwich et que c'est tenu par deux vis. Donc, tout est fixé là-dessus. De façon que ça ne peut pas bouger, ni en avant, ni en arrière, ni latéralement. C'est vraiment bloqué sous la platine.
on va le mettre en marche, voilà. On va juste un peu de mouvement de couronne, et puis au fur et à mesure que je remonte, l'énergie, elle arrive. Et on voit qu'il s'envole, vers le bonheur, vers le futur. Le futur de, pour l'horlogerie tout entière, dans des siècles et des siècles, jusqu'à dans 4 siècles futurs, à quelqu'un qui vient me casser les bonbons et faire quelque chose de mieux. Donc je me trouve maintenant avec un troisième prototype qui peut fonctionner dans toutes les positions. Donc j'avance petit à petit et les imperfections que je trouve jusqu'à présent peuvent être corrigées par la suite. Combien de temps je vais mettre, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que jusqu'à présent j'ai souffert parce que j'ai dû travailler sur un moment existant et prouver que ce moment existant fonctionnait avec mon système. Mais avec un moment fait ad hoc, avec un ressort fait ad hoc, le barrier bien choisi, le balancier bien choisi, il n'y aura pas de difficultés. Tu sais, ma chance à moi, c'est que je n'ai jamais fait d'école. Donc, on ne m'a pas dit ça, tu ne peux pas faire. On ne m'a pas dit ça, c'est stupide. Einstein a dit, un ingénieur peut vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Un artisan ne vous dira jamais pourquoi ça marche. Donc, moi, j'ai la chance, je suis horloger, je suis né à l'établi. Je suis né horloger de rue. Donc, j'ai appris à me démerder pour que ma montre marche. Pretty smart and interesting, right? So let's now come back on the main career milestones of Vincent Calabrese, because to come up with such an idea, which may seem pretty simple on paper, well, it definitely helps when you know your fundamentals, or like some people say, to break the rules, blah, 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 you first need blah, blah, blah to master them. Well, for sure, Mr. Calabrese knows how to break the rules, and he corresponds well to the notion of independent watchmaking, having, for instance, co-founded the AHCI in 1985. Okay, let's continue the journey. Qu'est-ce que je dois dire? Je suis la merdeur. Oui, je suis quelqu'un qui a un kikine. Parce que forcément, quand je suis arrivé en Suisse, que j'avais presque 18 ans, on m'a dit, c'était quoi ton métier? J'ai dit, je suis horloger. Parce que j'ai commencé l'horlogerie à 14 ans. Puis il m'a dit, non, t'es italien, arrête. Ça m'a choqué. J'ai montré à mes collègues suisses qu'aussi un italien pouvait être horloger. C'était une des motivations, mais pas la principale. La principale, c'est que de toute façon, j'ai détesté ce métier. Et encore aujourd'hui, j'aime pas le métier d'horloger. Mais de toutes les choses que j'ai faites dans ma vie, c'est la chose la plus difficile que j'ai trouvée. Parce que non seulement il faut créer, mais il faut que ça bouge, il faut que ça vit. 24 heures sur 24, des années. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Le peintre, il fait un tableau, il est fini, c'est bon. Après, il peut le retoucher éventuellement, mais il ne dira pas bonjour aux visiteurs. La statue, c'est la même chose. N'importe quel art, c'est quand même un art avec des spécifications bien finies. L'horlogerie, quand on l'a fait en tant qu'artisan constructeur, elle est énorme. Énorme, parce qu'il faut tout connaître. La mécanique, la physique, les machines, l'assemblage, tout. Tous les matériaux. Il n'y a rien qui doit nous échapper. Autrement, c'est à chaque fois un échec. Ma motivation principale, ça a toujours été celle de sortir du lot, de faire quelque chose de beau, qui suscite une émotion agréable au premier coup d'œil, mais que ce soit impeccable, que je ne puisse pas être critiqué sur ce que j'ai fait. C'est un discours, un monologue que je fais avec moi-même, aller au-delà de moi-même, rester celui que j'ai voulu être. Voilà. C'est un discours philosophique que j'ai assumé depuis que j'ai commencé ma première montre. Désormais, ça fait 45 ans. Alors, l'œuvre principale que j'ai fait, forcément, c'est la Golden Bridge, que j'ai fait en 1977, enfin, que j'ai terminé en 77, que j'ai exposé au Salon des Inventions de Genève, où j'ai eu la médaille d'or. J'avais été contacté par beaucoup de maisons, mais j'avais choisi Corum, parce que c'était les seuls dans cette... Faut pas oublier, on était en pleine crise du quartz, l'horlogerie mécanique partait, n'existait plus, etc. Donc c'était déjà culotté de ma part de rester dans l'horlogerie au lieu de la quitter comme la plupart des collègues. Mais je me suis dit, je vais plus faire ce métier que je n'aime pas, je vais le transformer en art. Donc tout est né de là. Et Corum a compris ce message, y compris leur philosophie. On a décidé de faire cette montre uniquement avec des mouvements en or 18 carats, qui n'est pas de cadran, qui cache mon travail d'horloger, qui n'est pas de boîte, qui soit mon cercueil, le cercueil de mon travail d'horloger. Donc il fallait que pour une fois, on achète cette montre pour son mouvement, pas pour la boîte, pour l'esthétique, pour le cadran. Je voulais sortir de cette contrainte que les horlogers subissent depuis des siècles, et encore aujourd'hui, encore plus. Les gens n'étaient pas encore habitués à avoir cette horlogerie
qui sortaient de l'ordinaire. Pour eux, c'était une montre à deux aiguilles. Mais c'était la seule fois dans l'histoire de l'horlogerie qu'il y avait des mouvements fabriqués sous la forme désirée du client. Ça n'a jamais existé avant. Et ensuite, avec un système qui permettait à ce mouvement d'être isolé dans l'espace. Parce que j'avais créé le mouvement de remontage à travers l'arbre de barrière. C'est-à-dire l'arbre de barrière, il était creux, et tout le système de remontage et mise à l'heure, il était à travers l'arbre de barrière. Je pense que c'est quand même pas quelque chose de courant. La deuxième création, c'était lorsque j'ai créé l'Académie en 85. J'ai voulu, pour le baptême, apporter un tourbillon. Or, en 85, des tourbillons bracelets, il y en avait eu peut-être une dizaine jusqu'à ce moment-là, mais pas plus. Et j'ai fait ce tourbillon. Mais ce tourbillon, je ne l'ai pas fait encore avec la ligne habituelle qu'on voulait, le balancier au centre de la garage. Je trouvais que c'était pas beau. Ça faisait le balancier qui cachait l'échappement, qui était une des choses les plus belles à regarder. Donc, j'ai décidé de faire un échappement ligne. Jacques Piguet, patron de Piguet et de Blancpain, il m'a contacté pour voir si je voulais leur faire un tourbillon. Et en février 1986, j'ai amené mon prototype pour eux, que depuis 1986, c'est fait encore aujourd'hui. Et ce mouvement, il avait 3,20 mm d'épaisseur, tourbillon compris, les platines et ponts plats, de façon qu'on puisse ajouter les automatiques, répétitions, tout ce qu'on voulait. Avec un seul barrier et 8 jours de marche. Puis après, j'ai eu la chance qu'un dessinateur de bande dessinée japonais a eu une offre par la chaîne de télévision japonaise qui pouvait faire une tournée en Suisse pour visiter des marques de horlogères qu'il visitait. Il a visité Omega, puis il a visité la vallée de Joux, puis il est allé chez Patek. Puis en partant de chez Patek, il est dans le train. Il dit que maintenant qu'il a montré ce que les fabricants peuvent faire, il veut montrer ce que les fabricants ne peuvent pas faire. Il est venu me voir. Il est venu me voir, la vidéo, elle a terminé sur mon interview, qui a duré quand même 15 ou 20 minutes, ce qui m'a ouvert les portes du Japon à fond. Donc là, j'ai commencé avec le Japon, que ça représentait 90% du mon chiffre d'affaires. Ça a duré jusqu'à 89, quand la crise du Japon m'a foutu par terre. Parce que c'était toute ma production qui est tombée. Puis en 2000, j'ai commencé à prendre des mandats par d'autres maisons, dont notamment Goldfield, mais il y a aussi eu Belleros. En 8 mois, j'ai fabriqué 4 sautantes différentes. Et ce qui m'intéressait, c'était la recherche de moi-même, la création. Donc, quand en 2000, Marc Hayek a remplacé Biver à la tête de Blancpain, il a voulu connaître qui est-ce qui avait inventé ce tourbillon qui leur a apporté tellement d'argent et de succès. Il a voulu faire ma connaissance, il est venu voir, on a discuté, il voulait qu'un jour ou l'autre je fasse quelque chose de nouveau pour eux. Puis moi, j'avais pas vraiment envie, mais là, à un moment donné, en 2005 et 2006, j'étais vraiment dans une situation de stress, seul. Donc, ce qui fait que j'ai accepté cette offre de Blancpain. Et puisqu'on avait été attaqué par tous les experts, que le tourbillon Blancpain, comme mon tourbillon, était du carrousel, on a décidé de faire un carrousel. Moi, je fais un carrousel qui tourne en 1 minute avec le balancier au centre, et j'emmerde tout le monde. J'ai réussi à emmerder tout le monde. Et bon, j'attends, voilà. Donc, ce carrousel a été quand même quelque chose qui m'a permis, j'ai vendu ma société à Blancpain. Pendant 4 ans, j'ai travaillé pour leur recherche, mais je suis pas allé à Poder, je suis pas allé au Brassu, ils m'ont laissé dans mon atelier à Lausanne, où j'ai eu avec moi, 2 horlogers, et un troisième après, horloger ingénieur, qui m'aidait à finir les constructions que je faisais. Et en 4 ans, j'ai déposé 9 brevets. Il n'y en a pas un seul qui a été servi. Plus les 11 brevets qui me restaient, que je l'ai vendus, donc 20 de mes brevets, ils ne les ont jamais fait, jamais servi. Donc au bout de 4 ans, j'ai décidé, j'ai quitté, j'en avais marre. Et puis voilà, donc, depuis 2016, j'ai recommencé à faire quelques constructions minimes par rapport à ce que j'avais fait par le passé. Puis, ça fait 64 ans de métier, puisque j'en ai 79, oui, 14, ça fait 65 ans de métier maintenant. Voilà, voilà qui je suis. What I find quite amazing with these true watchmakers is that they never stop. They are so passionate about what they do. It's simply amazing, and you have to remember these words of wisdom from the man himself. First, he had to erase some words in the vocabulary. It's weekends, holidays,
in retirement, you know? When this is done, you can start. Well, I guess it resumes pretty nicely the situation. Anyhow, I'm really looking forward to following up on this development since we're still at quite an early stage, but I think we've already have a proof of concept by eliminating the main weakness of the regulating organ, the hairspring, and personally I think he will succeed. Okay, we really like this heart-pumping motion of regular hairsprings, but I mean, we also like evolution. Anyhow, I hope you enjoyed this video report. See you real soon. And just for info, well, we released this video on Vincent's birthday, so a very happy birthday to you. And viva creative watchmaking. See you soon, guys.